Hébreux chapitre 11, verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sorry. Donc, ici on parle de la foi. Donc c'est Hébreux 11, verset 1er, on parle de la foi. On nous explique la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance de quelque chose que tu espères. Et c'est aussi une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Pour que ta foi puisse produire, pour que ta foi produise quelque chose, ça demande l'espoir. Est-ce que vous comprenez? Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc tu dois espérer à quelque chose. Tu dois avoir l'assurance à quelque chose que tu espères. C'est ça la foi. Donc tu dois d'abord commencer par espérer à quelque chose. Et que ta foi va faire que non, tu puisses l'obtenir. Et le démontrer. Tu dois rester ferme à quelque chose que tu cherches. Quelque chose que tu veux toucher. C'est ça la foi. Tu dois espérer quelque chose. Peu importe le niveau de ta foi. Sans l'espoir, ça ne produira rien du tout. C'est pour ça que tu dois toujours espérer à quelque chose. Tu dois toujours vouloir quelque chose. Chercher à obtenir quelque chose. C'est ça l'espoir. Tu dois espérer. Si vous comprenez. Donc, même la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, pour plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Et quand on parle de la foi, on voit que c'est quelque chose que toi tu espères, que c'est quelque chose que tu veux. Et tu dois être en accord avec la parole de Dieu. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Savoir que Dieu est avec toi. Savoir que notre Dieu accompagne sa parole. Et c'est toi qui vas le mettre en pratique, la parole de Dieu. Tu dois espérer à quelque chose. Et c'est là que ta foi sera productive. C'est là que tu verras que non, les choses fonctionnent en accord avec la parole de Dieu. Aucun homme, si je peux dire, aucun homme peut avoir un enfant sans rentrer en contact avec une femme. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, la foi ne peut pas aussi produire quelque chose sans l'espérance. Tu dois toujours espérer quelque chose. Pour que ta foi puisse produire, tu dois toujours espérer quelque chose. Vous comprenez ça? Donc, à chaque fois aussi dans la vie, si tu dis qu'il n'y a pas, soit si on te demande quelque chose, ou si tu parles de quelque chose, si tu mets un frein, donc automatiquement, le processus aussi ne peut plus continuer. Tu bloques le processus de ce que tu veux peut-être, c'est ce que je peux dire. Donc quand tu demandes quelque chose, tu dis qu'il n'y a pas. Automatiquement, tu as mis un frein, le domaine spirituel. Donc le processus ne peut plus continuer. C'est pour ça qu'il faut être toujours ouvert. Il faut espérer toujours. Il faut chercher toujours. Ecclésiaste 9:4 dit qu'il y a l'espérance. Avec Dieu, il y a toujours de l'espérance. Il y a l'espoir toujours avec Dieu. Vous comprenez? Peu importe ta situation, peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu dois toujours croire à la parole de Dieu. Et ne permets pas à un médecin de détruire ta foi par ses rapports aussi. Si tu es malade, si tu vois les symptômes de la maladie dans ta vie, crois à la guérison. Crois à la santé divine. C'est ce que Dieu guérit par sa parole. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu libère. Les médecins peuvent dire que tu es malade. Les médecins peuvent dire que non, il y a des problèmes dans ton corps ou dans ta santé. Espère toujours. Crois toujours que Dieu est avec toi. Et que tu verras sa gloire. Continue à espérer. Continue à croire à la parole de Dieu. Et à les mettre en pratique. Et à les proclamer dans ta bouche.
Dieu a dit que tu es en bonne santé. La parole de Dieu dit que tu es en bonne santé. Que la maladie n'a pas de place dans ta vie. Tu dois le proclamer. Proclamer la santé divine. Proclamer la guérison divine. Et dans Romains, je vais lire vite Romains chapitre 4 aussi. Romains chapitre 4, verset 18, je vous dis ceci. Espérant contre toute espérance, il crut. Donc Abraham, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru en sorte qu'il devint père de tout de grand nombre de nations. Abraham était convaincu que c'est Dieu qui lui parlait. Il savait que non, ce que Dieu lui avait promis, il le verra s'accomplir. Ça va s'accomplir. C'est pour cela qu'il a dit que non, espérant contre toute espérance. Il crut que c'est Dieu qui lui parlait. Il a mis sa confiance en Dieu. Il a mis sa foi en Dieu, à la parole de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes maintenant le temple de son esprit, le temple de l'esprit de Dieu. C'est nous qui transportons cette parole en nous. Nous sommes devenus un avec la parole de Dieu. Nous devons juste avoir l'espoir. Nous devons juste mettre en pratique la parole de Dieu. Et espérer toujours quelque chose. Avoir de l'assurance à ce que nous voulons toucher. À ce que nous attendons pour demain. À ce que nous voulons voir aujourd'hui. Et savoir que Dieu est avec nous. Tu dois savoir que Dieu est avec toi, mon frère, ma sœur. Que Dieu ne t'abandonnera jamais. Et il ne te délaissera jamais. Il a dit qu'il est avec toi partout où tu te trouves dans ce monde. Car rien ne peut se cacher devant Dieu. Et il a choisi d'habiter en toi par son esprit. Tu dois espérer toujours à quelque chose, je recommence chaque fois. Tu dois avoir l'espoir. Peu importe l'état où tu te trouves maintenant, peu importe ce qui se passe à ta vie, espérez toujours, continue toujours à croire à Dieu, que Dieu fera quelque chose. N'abandonne jamais, ne lâche pas. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Peu importe les attaques de l'ennemi, Dieu est avec toi. Si tu es vainqueur, tu sortiras toujours vainqueur. Et tu resteras plus que vainqueur. La victoire est avec toi. Le succès t'accompagne. La bénédiction t'accompagne. Et que la gloire de Dieu t'accompagne aussi. Garde toujours l'espoir. Ton avenir est meilleur que ton présent. Ta vie demain sera mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Tu auras une meilleure vie dans quelques jours, d'ici peu, demain ou peut-être le lendemain. Mais tu vas toujours croire et espère toujours la parole de Dieu. Crois au miracle de Dieu qui va s'opérer dans ta vie. Aie confiance en Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous sommes sur Chiro TV, toujours dans notre programme, l'école de Saint-Esprit. Que Dieu soit avec toi.